Donc c'est ce que tu passes le temps à faire même. C'est ce qui c'est, donc ça veut dire que c'est ce que tu passes le temps à faire. Manga, pourquoi tu as écrit à ce que tu as déjà posé? Manga, on a eu à voir des trucs chez toi. Attends, tu m'as dit que tu as posé. Tu as fait merde. Tu as dit bonne nuit B à Brice. Brice c'est qui? Hein? Tout le monde, c'est un ami. Pourquoi, attends, pourquoi Colonel il t'a fait beaucoup bébé? Hein? Il est, voici Colonel qui écrit cela que bébé on peut se voir. Hein? Pourquoi tu as répondu? Non, et bonjour boss, attends, bonne nuit boss. Attends, pourquoi tu as répondu bonne nuit mon amour à Bey? Alors que c'est un dragueur. C'est juste un dragueur, non, mais c'est juste que bon, tu appelles mon amour un dragueur mon amour. Bon, ça a commencé depuis le temps qu'on ne... C'est lui qui amuse, mais tu vas me retirer la marque et bien quelque chose. Bon, laisse ton père, il ne faut pas trop nous dire. Oui. Donc, on s'entendait plus et du coup... Ça fait combien de temps que vous attendez plus vous avez eu des problèmes avant de vous arranger? Oui, ça date de combien de temps? 6 mois déjà. 6 mois déjà, hein. Oui. Donc, c'est pendant cette période-là que tu as commencé à parler avec lui, en fait. Oui. Et quand vous êtes remis, quand vous avez réparé vos problèmes, pourquoi tu n'as pas arrêté de parler avec lui? Bon, c'est que j'ai arrêté un temps, mais après, bon... Les messages que j'ai dit, les messages que j'ai vus, ce sont les messages d'hier. Moi, c'est hier que tu as répondu, bon, mon amour. Ce sont pas les messages de depuis. On a commencé à causer encore. Vous avez commencé à causer encore. Pour quelle raison? Et pourtant, tu es en couple avec lui. Qu'est-ce qu'il ne fait pas? Qu'est-ce que je ne fais pas? Il te donne il n'est pas attentionné. Comme je t'ai dit, tout le temps, il est au téléphone. Même quand il est même là, il est au téléphone. Tu es étudiant. Tu m'as offert quelle voiture? T'as offert une voiture? Non, tu m'as offert quelle voiture? Voilà la vieille carcasse là-bas, dit quelle voiture? Mais ça ne démarre pas. Ah, c'est mon bon. Je peux comprendre que tu as peut-être eu à faire des efforts pour elle, je peux comprendre. Mais laisse-la aussi, elle s'exprime, elle s'explique. Elle s'explique tout. J'ai mal parce que c'est 3 ans dans l'eau. Ça me fait. Que j'ai tout misé sur elle. Non. Tu n'as pas regardé mon gars, on n'a pas encore réellement vu quelque chose de concret, tu comprends? Elle a juste dit que c'est un dragueur, tu comprends? Là, actuellement, laisse-la, elle s'explique. Et on a vu cela, le message où tu as dit « Bonne nuit, mon amour, Abbé ». Tu as dit que c'est, vous parliez parce que... Tu as commencé à parler avec lui pour quelle raison? Parce qu'il est pas attentionné, c'est pour ça. Oui, c'est ça. Parce que ce n'est pas... le fait qu'il me fait des cadeaux, mais bon, il n'est pas attentionné. Donc, il n'est pas là, il n'est jamais là, même qu'il est là, il n'est jamais là, tout le temps le téléphone. Comme je lui dis même, bon, est-ce qu'on peut sortir? Attends, pourquoi tu as demandé aussi à Bey, tu as demandé à Bey que Bey, tu m'achètes un téléphone quand? Pourquoi tu as demandé, parce que c'est le message que tu écris là, tu as écrit le message là, c'est quand? Le 5 octobre, tu as écrit là, Bey, tu m'achètes un téléphone quand? Il a répondu que bientôt mon amour. Pourquoi tu lui demandes le téléphone? Pourquoi tu demandes le téléphone à un dragueur? Seigneur. Je te donne pas quoi? Qu'est-ce que je n'ai pas fait pour toi? Je t'ai dit qu'il faut qu'on change mon téléphone. Tu as ton téléphone. Donc tu veux seulement que je paye le 17 Pro Max. Tu sais que j'appelle le 17 Pro Max. Attends, parce que j'ai vu ça, c'est le 5 octobre que tu as demandé que Bey, tu m'achètes un nouveau téléphone quand? Ça veut dire quoi? Tu avais demandé un téléphone. Il sait qu'il doit m'acheter le téléphone. Et qu'est-ce qu'il a dit? Tu as la voiture, tu as un gros téléphone. La semaine, tu as 200 000. Tu veux ta large gauche, tu me trompes avec Fignan. Ma chérie. Ça va finir comme ça. Voici le téléphone qu'elle a. Tu as l'iPhone XR. Il y a des gens qui n'ont même pas le iPhone 6. Tu veux changer pour quel téléphone? Hein? Le 13 Pro Max. Le 13 Pro Max, hein? Ok, mon bro. Pourquoi tu demandes un téléphone alors au dragueur? Il ne peut pas t'acheter un téléphone. Hein? Quand je sais que la femme, c'est le diable. Tu m'as dit que tu n'es jamais arrivé chez lui, non? Pourquoi il dit alors que la prochaine fois que tu viens à la maison, tu vas récupérer ton téléphone.
Parce qu'il veut qu'elle vienne chez lui. Il a dit la prochaine fois. Il n'a pas dit que. Je suis jamais parti là-bas. Pourquoi il dit que la prochaine pas, fois? Je connais même pas sa maison. Pourquoi ici il dit que la prochaine fois que tu vas venir à la maison, tu vas quitter ta maison? Attends un peu. On s'est juste vu, mais est-ce que tu as. Mon amour, j'aime quand tu me fais la position de la bouette. Ha ha. Donc, il y a même la position de la bouette. Quand il veut te toucher, tu fais. Tu... Ah, ça, mon gars. Mais tu peux même. Mon gars. Voici les messages qui sont écrits là, tu vois. Non, il faut être juste. Ma chérie, allez demander concrètement. Tu as dit que tu ne l'as jamais vu, tu vois, peu, non. Est-ce qu'il y a position pour être. Non, il faut aussi qu'elle soit aussi crédible dans ce qu'elle dit, mon gars. Même dans ce que tu lis aussi. Comment tu parles de position pour être. Ce n'est pas ça qui est écrit ici. Non, là, je ne sais pas si vous voyez bien, mais là, moi, je suis dans un message où il a dit que la prochaine fois que tu vas venir à la maison, tu vas récupérer ton téléphone. C'est le message que j'ai vu. Hein, ma chérie? Pourquoi il a dit la prochaine fois? Parce que je viens chez lui. Vous n'avez jamais vu? Hein? Mais tu connais je suis jamais allé chez lui. Je suis jamais allé chez lui. Parce que le problème, c'est que moi, je regarde les conversations avec lui. On va un peu regarder les anciennes conversations. Tu supprimes les messages. Hein? Ça veut dire qu'il y a des choses. Attends, pourquoi le premier message ici date du 25 septembre? Tu as dit que vous parlez depuis 6 mois. Moi, je vois le 25 septembre, il t'a écrit bonjour mon bébé. Et tu as répondu bonjour bébé. Tu as dit que vous parlez depuis 6 mois. Pourquoi les messages commencent seulement le 25 septembre? Hein? Affamé. Tu supprimes les messages. Gabotus, ça prouve qu'elle est infidèle. Non, bro, laisse. On n'a pas encore fini. Là, tu ne veux pas aller avec elle. On n'a pas encore aller avec elle. Ma chérie, explique-le concrètement. Dis-lui. C'est pas ce que tu crois. Parce que... Tu dis que, regarde, tu as demandé le téléphone à B. Déjà, le simple fait que tu écris B, c'est à quelque chose. Mais je suis en train de demander cela que. Pourquoi vos messages commencent le 25 septembre et pourtant vous connaissez depuis 6 mois? Tu supprimes souvent les messages. Pourquoi? C'est quoi? Tu as changé de téléphone en temps? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vos messages commencent le 25 septembre? Parce que j'avais refait la mise à jour. Tu as fait la mise à jour de quoi du téléphone? Quand tu fais la mise à jour, est-ce que les messages partent? Est-ce qu'elle est infidèle, gars? Et non, dit, laisse, tu ne laisses même plus avec elle. Laisse s'exprimer, mon gars. Laisse s'exprimer. Dis-nous concrètement. Depuis que tu dis un truc, tu tournes en rond. C'est ce que tu ne veux plus rester avec moi. Mais tu me dis, je. Tu as fait la mise à jour du téléphone. T'as plus de trucs, c'est quoi? Et les messages ont disparu. Toi. Attends, toi-même. Ce que tu dis, un sens. Comment tu fais la mise à jour du téléphone, les messages disparaissent? Les messages... Ah, quand tu as fait la mise à jour, quand tu as fait la mise à jour, les messages sont partis, c'est ça. Si on peut regarder d'autres messages, tu es sûr qu'on va pas avoir d'autres dates. Hein? Parce qu'il n'y a que bébé ici que j'ai tapé. Il n'y a que bébé ici qui est tapé. Vous appelez les bébés à toi à travers. Tu lui dis même les bonnes nuits, il te dit bonne nuit bébé. Dis concrètement d'abord à bébé. Ce n'est que le premier message, le premier numéro qu'on a vu. On va taper d'autres numéros aussi. Hein? Ah, c'est mon bro, j'ai dit que c'est un test de fidélité. On n'est pas là ici pour gâter. Moi, je suis en train de te demander simplement. On a déjà regardé. Il y a Bipsy, qui apparemment c'est un dragueur. Ouais, bon. Écoute un peu, écoute d'abord. Si tu es venu gâter mon couple, tu me dis. Je ne suis pas venu pour ça. Écoute alors. Écoute-moi un peu. Les gens me disent ceci. On fait comment? Le test s'arrête ou bien je continue à fouiller? Tu as commencé à gâter. Gâte ses mains. On continue, non? Ok, déjà, comme ça va tuer en train. Tu vois un peu. Voilà, déjà, moi je voulais savoir aussi. On a vu les messages avec Babe. Tu vois un peu non? On a vu les messages avec Babe. Tu parles encore avec une autre personne. Il y a une autre personne que tu appelles encore bébé. Comme ça, quand on va regarder, il connaît déjà. Il y a encore qui que tu appelles bébé.
Oui, il y a encore. En tout cas, laisse-moi, oui. On va regarder. Je vois encore ton téléphone, ça s'est encore verrouillé. C'est vous. Chaque semaine, je vais les brésiliennes, je vais la brésilienne. C'est normal de prendre soin de sa personne, tu vois, Benoît, c'est pas un problème. Quand tu aimes une personne, tu dois prendre soin d'elle. Mais ce n'est pas ça le problème. Là, on va, elle a dit que babe, c'est un dragueur. On va regarder d'autres messages. On tape un peu. On tape un peu. Tape bébé là-bas de rechercher. Ok, on tape un peu bébé. Ha! Voilà. Oui. Tu crois? Voilà. Voilà. Pourquoi tu appelles Marco bébé? Parce qu'on on a tapé bébé. Là, il y a Marco. Il y a Brice. Il y a encore. Il y a Enzo. Il y a même Joël Colonel. Donc, je suis souvent avec les colonels. Joël Colonel aussi, c'est vrai. Joël Colonel. Hey! Marco, c'est qui? Pourquoi comme ça, tu pourquoi, ça pourquoi tu appelles Marco bébé? Le hein? Yumi, c'est juste un ami, c'est tout. Marco, c'est un ami. Oui. Brice, c'est qui? Par contre, tu es ici. Tu as dit bonne nuit B à Brice. Brice, c'est qui? C'est toujours un ami aussi. Hein? Tout le monde, c'est un ami. Attends, lui d'abord, même tu as reçu son numéro comment? Parce qu'on a tapé bébé, ce n'était pas ça. Tu as reçu son numéro comment? Lui. Hein? Il a mis son nom là-bas. Quel nom? La chérie parle aussi. Qui te dit de son nom, tu regardes ça là-bas. Elle dit qu'elle a mis ton nom. Ton nom c'est quoi? Mon nom. Oui. T'as mon numéro là. Non, non, ton nom c'est quoi? Elle dit qu'elle a mis ton nom. Ton nom c'est quoi? Tu sais qu'elle m'appelle Causerie 237. Ton nom, est-ce que tu appelles comme ça? Toi, ton nom. Elle a dit Babe non? Non, elle dit que c'est Babe non, mon cœur, ce n'est pas toi. Elle a dit qu'elle a mis ton nom. Ton prénom c'est quoi? T'as Basile. Basile, hein. Yeah. On va arriver à Basile. Parce que. Et voulais juste te regarder parce qu'il aussi. Il regardait les bébés là. Voilà. Déjà, tu nous as dit que Marco, c'est un ami, non? Il n'est pas fait pour toi. Brice, c'est qui? Qu'est-ce qu'il n'est pas fait pour toi? Toujours l'ami. Colonel, c'est qui aussi? Joël Colonel. Joël Colonel, c'est qui? C'est vraiment Colonel. Et c'est qui pour toi? Tu es connaissant. Attends. Si c'est que c'est le père qui reste. Hey, le père qui reste où il y a la boutique là, dans ton quartier. Le père là va m'attendre aujourd'hui là. C'est vraiment un colonel ou bien c'est juste oui. Comme ça. Oui, c'est son quartier. C'est vraiment un colonel. Oui. Toi tu connais le colonel. Tu dis je connais le père là. Ah, le père reste dans son quartier. Ah, laisse. Elle a dit que c'est une connaissance. Est-ce qu'il le connaît? Hein? Non. Voilà, pourquoi tu dis que tu le connais? Elle dit que tu ne connais pas. Elle dit que c'est une connaissance. Et pourquoi toi tu donnes ton numéro connaissance? Parce que j'ai vu ici à Colonel, Colonel t'a dit bonne nuit mon bébé, tu as dit bonne nuit simplement. Et attends un peu. J'ai investi sur toi, j'ai investi. Pourquoi Colonel il t'appelle beaucoup bébé? Hein? Voici Colonel qui écrit cela que bébé on peut se voir. Tu sois avec le père de quelqu'un, bébé. Je n'ai même pas honte. Un père qui peut t'accoucher, un grand-père. Non, ce n'est pas elle qui a écrit bébé, c'est le monsieur qui a écrit bébé. Pourquoi il t'appelle bébé? Je ne sais pas. Tu ne sais pas, non, tu ne sais pas. Et tu supprimes le message? Non, elle n'a pas supprimé le message. Parce qu'elle écrit cela. Bonjour bébé, comment tu vas? On se voit quand? Elle dit maintenant qu'on ne peut pas se voir pour le moment. Et en plus, elle a dit que je suis en cours. Regarde. Tu lui as dit ici que tu es en couple. Mais pourquoi il t'appelle bébé? Toi, ça ne te dérange pas. Parce qu'il veut qu'on se mette ensemble. Il veut, que... Et, il veut qu'on se mette ensemble. C'est ce qu'il veut? Oui. Et toi, tu n'es pas d'accord? Oui, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Oui. En tout cas, on va laisser Colonel ici parce que... De ce... Ça prouve là que... Non, regarde, mon gars. Elle est infidèle. Non, Colonel, écoute. Écoute. Tu restes avec elle. Mon gars, Colonel, sinon... De ce, les messages qu'on a vus, c'est Colonel qui l'appelle bébé. On n'a pas répondu de bébé ici-là. Elle a même dit ici-là que je suis en couple. Est-ce que ça prouve alors qu'elle est en couple avec moi? Ma chérie. Tu as dit ceci. Ah.
Tu as dit que Marco c'est qui? C'est un ami. Tu as dit que Brice c'est qui? C'est un ami. C'est un ami, c'est un ami toujours. Tu vas dire que Joël Colonel, c'est un père. Elle dit que c'est un. Voilà, il y a aussi Stéphane. Stéphane t'a dit bonne nuit, B. Tu as répondu bonne nuit, coucou. Stéphane, c'est qui? C'est un camarade. Un camarade de classe. Un camarade, déjà, vous vous appelez bébé. C'est lui qui veut m'appeler bébé. Toi, tu n'appelles pas bébé? Non. Mais tu l'appelles coucou quand même. Tu l'appelles coucou. Coucou, simplement. Et lui, quand il t'appelle bébé, comment ça te dérange pas? Lui, il a dit que ça me dérange, mais s'il comprend alors. En plus, c'est même le délégué même de ma classe. Il fait comment? Ah, c'est mon gars. Déjà pour commencer, on n'a pas demandé ça. Elle dit qu'elle a dit au gars là d'arrêter de l'appeler bébé. Toi, ça te dérange pas qu'on on l'appelle bébé? Ah, ça prouve bien qu'elle est infidèle. Mon gars, de tous les messages qu'il y a vu là, je n'ai pas vu de truc concret où elle a eu à dire si. On a tapé bébé d'abord. Maintenant, on va taper je t'aime. Comment on tape je t'aime? Tu as dit que ton prénom c'est Basile. Voilà, Basile. Tu as dit que voilà. Hey, avec tout ce que j'ai fait pour toi. Voilà. Attends. On a tapé je t'aime. Pourquoi tu as écrit cela? Moi aussi je t'aime, AB. C'est lui que tu dis que c'est ton gragueur là. Les mots qu'elle m'a jamais dit. Hein? Non, comment elle t'a jamais dit? Parce que si je t'aime Basile ici. Parce que si je t'aime Basile. Mais dis pourquoi tu as dit moi aussi je t'aime. Parce que. Regardez la date qu'elle m'a dit. Ça. Elle m'a dit écoute, ça quand? Écoute, parce que B a dit je t'aime. Elle a dit je t'aime aussi. Pourquoi tu lui dis je t'aime aussi? Hein? Comme ça, juste comme ça, elle est incapable. Elle sait qu'elle est coupable, elle est infidèle. Qui a dit ça? Ah, donc, ça ne sert à rien de fouiller son téléphone. Ah, chérie, on est déjà à attends, combien de temps? On est déjà à 41 minutes. Dis-nous, tape-nous sec. On passe une fois dessus. Tu es infidèle. Non, laisse, arrête de faire trop tes trucs là. Tu as combien de gars? Qu'est-ce que tu gères avec B? Je t'ai dit non. Voici encore, il y a aussi Stéphane que tu as dit je t'aime. Dis, tu gères quoi? Tu ne gères rien. Donc tu dis les je t'aime à B, à Stéphane. Tu ne gères rien avec eux. Je gère rien. Tu ne gères rien avec eux. Mon gars, toi tu vois comment? Ah, tu vas seulement aller avec un. Tu t'es allé comment aussi avec mais elle. Si tu les 3 ans de relation là, ça. Oui. Moi, il m'arrête de ne plus continuer. Ça sert à rien qu'on fout. Mais c'est juste. C'est juste les messages. Mais est-ce que tu as vu là. Tu as eu à voir peut-être les vidéos parti de moi, monsieur. Tu m'as dit que tu partais chez ta mère. J'appelle ta mère. Ta mère m'a dit que tu n'es même pas passé. Ça fait même 2 mois que tu n'as pas vu. Le jour là, tu as dormi où? Mon gars, j'ai lu les messages que j'ai vus. Toi-même, tu as vu les messages. C'est pas comme si j'invente les messages. Elle a dit ceci. Elle ne gère rien. Elle ne gère rien avec ces gens. C'est vrai que moi, je ne sais pas. Vous allez gérer ça encore. Gérer où? Tu vas rester avec quel gars? Ma chérie, ça te mentir, non? Oui. On ne peut pas tout fouiller ton téléphone. Il y a eu à taper les messages qu'il fallait taper. Il a déjà vu ce qu'il devait voir. Tu vas seulement rester avec elle. On va aussi aller de votre côté maintenant. Parce que ton téléphone. Parce que ton téléphone. On va aussi, tu t'appelles aussi. Non, laisse arrête ton téléphone. Vous m'avez donné le téléphone. Il va arrêter. Tu l'aurais même pas donné au téléphone. Toi, débrouille ton téléphone. Débrouille. Voilà. J'espère que vous aussi, quand vous avez fini de parler là, vous êtes fidèle. Dis une fois. C'est que tu gères, ça nous permet de gagner du temps. Moi, je me repose, je rien. Tiens, je suis là, je suis fidèle. Voilà. Attends. Tu n'appelles pas de fille bébé. Je tiens à dire que j'ai mes collègues de travail, on s'est taquiné. Ok.
Charles, comment? Numéro comment? Pas ça, Diane. Mon nom, c'est quoi dans ton téléphone? Tu as mis quoi? Tu as mis quel prénom? Ouais. Donne seulement, tu as mis quel prénom? Je veux savoir comment tu t'appelles. Donc, tu as mis. Je t'appelle souvent. Je t'appelle souvent comment dans la chambre? 2000. Oh. Mm-hmm. Tape 2000 là-bas, tu vas voir. Dans la chambre. Ok. Dominique, c'est toi ici non? Je vois ta photo, c'est toi. C'est toi non? Ça fâche pourquoi? Parce que ton numéro. C'est toi non? C'est toi, ce n'est pas toi. C'est moi. Voilà. Voilà. C'est bon. Moi, je veux dire, toi, tu es une femme. On dit souvent le nom de femme. Toi, tu préfères qu'on fouille où? Hmm. On a fouillé au hasard dans ton téléphone. Tu préfères qu'on fouille où? Son Snapchat, là. Son Snapchat? Oui. Tu veux qu'on aille sur Snapchat? Oui, on peut aller sur Snapchat. Ok, on entre sur Snapchat. Non. Ouais, tu vas entrer. Attends. Entrons là-bas. Snapchat, c'est WhatsApp pour les messages, gars. Attends, on tape sur Snap. Que on va commencer. Laisse un peu. Tu veux faire quoi? Laisse un peu, regarde. On regarde un peu. On va tous regarder ça. Non, laisse un peu, mon gars. Laisse un peu. On va faire du snap. C'est qui Astrid, mon gars? Tu es un boy comment? Manga, c'est qui Astrid? C'est qui Astrid? Tu es un boy comment, le gars? Manga, c'est quoi? C'est qui Astrid, mon gars? C'est qui Astrid? On est sur Snap là. C'est qui Astrid? C'est ma cousine. Moi, je vois le message que tu as dit que tu passes à la maison quand? Tu dis que c'est ta cousine. Ah. Elle passe à la maison occuper ses affaires. Hein. Ça m'a même envoyé ses affaires de lui remettre. Regarde, on a fait des fous, ta gueule. Mets un peu en fou. Tu as dit que Astrid c'est ta cousine. On regarde les conversations avec Astrid. Attends un peu. Pourquoi tu écris à Astrid que bébé j'ai envie de toi? C'est dans la conversation avec Astrid. C'est ce que tu passes le temps à faire même. Donc ça veut dire que c'est ce que tu passes le temps à faire. Manga, pourquoi tu as écrit à Astrid que tu as posé? Manga, on a eu à voir des trucs chez elle. Pourquoi? Attends, tu vois ce que tu as posé? Tu es fermé. Manga, pourquoi tu as dit à Astrid que tu as envie d'elle? On est là pour fouiller. Bon, ça prouve aussi que je suis infidèle. Je suis infidèle, elle est infidèle. Tu m'as dit que tu es fidèle. Mais maintenant, tu as dit quoi? Maintenant, j'approuve que je suis infidèle. C'est parce qu'elle n'arrive pas à me satisfaire. Elle est fermée là-bas. Tu as dit quoi tout à l'heure? Tu as dit quoi? Donc, elle n'arrive pas à te satisfaire de quelle manière? La mauvaise. Toi, tu connais. Elle n'est pas bien satisfaite, elle n'est pas active, gars. Tu vas faire comme une fille qui n'est pas active. Elle n'est pas active. Tu as dit ça. C'est qui m'a demandé de rester. Bon. Ça va, il t'a dit que tu vas rester dans mon téléphone et pas. Non, mon gars, ça ne passe pas comme ça. Dans mon téléphone et pas. On n'a pas fini, mon gars. On n'a pas volé. Non, ton téléphone, là, non. Attends. Non. Bon, viens, c'est pas comme ça. Ça passe pas comme ça, mon gars. C'est comment? Tu prends maintenant ton téléphone, tu go out. Il est même sérieux. Non, maintenant, tu le filmes plus. On le fouille pas. C'est comment? Tu qui fais ton téléphone? Tu qui fais ton téléphone? Moi, ici, j'ai donné mon téléphone. Il y a quelqu'un qui s'abat. Elle est faible là-bas. Tu vas regarder. Laisse-y faire avec le gars. Donne ton téléphone, on va regarder. Il faut donner ton téléphone. Ouais. C'est moi qui a payé. C'est moi qui a payé ton téléphone. Donne ton téléphone. Mon gars, on a fait pour ton téléphone. Je te dis ça. En tout cas, je vais le trouver. Ma chérie, récupère ton téléphone. Maman, vous avez vu, vous allez vous-même juger si la femme est fidèle ou l'homme n'est pas fidèle. Moi, je ne sais même pas. Je suis même dépassé. Donc, on a déjà dit affaire d'amour là, il faut laisser. Si tu n'as pas le cœur, on s'est capté pour une nouvelle vidéo. Pardon, n'oubliez pas de liker la vidéo, commenter et de partager. On reste ensemble. À-t-il.